Donc le Xperia S, apparemment, qui sort la semaine prochaine, hein, donc que vous pouvez venir tester ici au Sony Store. Alors on va essayer d'allumer ça. Voilà, hein. C'est pas le son activé, ok. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble, hein. L'écran, il est franchement top tier, hein. Il est assez long, mais il est fin, quoi. Non, il est fin. Il a l'air pas mal, hein, ce téléphone. Alors, je ne connais pas du tout en smartphone, hein, donc je sais pas si les applications que vous voyez là, si ça vous parle, la YouTube, Média. Alors, là, je sais pas si elle est connectée. Alors, problème du, voilà. Donc, non, là, il n'est pas connecté forcément, hein. Donc, voilà. Alors, comment est-ce qu'on revient en arrière? Comment est-ce que l'on revient en arrière? Voilà, ok. Voilà, donc là on a le market Android. Vous devez ajouter un compte. Non, là bien évidemment il n'y a pas de compte. Donc apparemment le téléphone sera commercialisé la semaine prochaine. En tout cas, ça réagit super bien. Donc là on va voir un petit peu les photos prises par les clients. Alors en effet, la qualité elle est pas mal. Une petite vidéo. Voilà, on va mettre comme ça. Non, alors c'est peut-être de l'autre côté qu'il faut mettre. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû appuyer sur un truc qu'il faut pas. Si je passe comme ça, non. Non plus. Alors, il y a moyen de changer la vidéo. Bon, là, comme c'est une vidéo, peut-être il se met. Hein. Voilà, en fait. Ah, voilà. En fait, il faut d'abord mettre comme ça. Et après, on peut voir mon film. Donc là, c'était un peu fou. Apparemment, il y a un petit réglage à faire. Et si je remets comme ça, donc il se remet pas. Donc là, il y avait des gens qui testaient. Voilà, après, bon, je suis pas très à l'aise avec ce genre d'appareil, mais là, la qualité de la photo, je sais pas si on voit bien au travers de la PS Vita. Là, je suis en train de filmer avec une PS Vita. La qualité de la photo est juste complètement craquée. Hein. J'ai entendu dire qu'il y a eu 12 millions de pixels. Je sais pas si ça vous parle, mais donc voilà. Le Xperia S. Voilà.